Bonjour les Gémeaux. Bonjour les Gémeaux. J'espère que vous allez passer une très belle journée. On va faire le petit tirage à trois cartes pour voir un petit peu ce qu'il se passe aujourd'hui. Alors. Oups. Les poissons qui sont sautés du jeu. Donc le poisson, c'est l'argent, c'est le travail indépendant, plutôt rentrée financière par rapport au boulot. Voilà. Je vais couper. Donc nous coupons avec le serpent et le poisson. Donc il est évident que apparemment, si vous êtes indépendant, méfiez-vous quand même, regardez autour de vous ce qu'il se passe, regardez un petit peu vos collègues, regardez, parce qu'il y a quelqu'un d'hypocrite en tout cas autour de vous, quelqu'un d'hypocrite qui soit vous jalouse, soit veut votre poste, soit voudrait vous faire... en tout cas, c'est quelqu'un qui est jaloux de vous et qui va essayer de vous ennuyer, point de vue argent ou point de vue boulot. Donc, on va maintenant interpréter un petit peu ce qui va se passer dans la journée. Alors, 1, 2 et 3 cartes. La faux. Wow, ça va être une journée dure pour vous. La faux, la verge et la croix. Je suis dans, je suis gémeaux. Eh bien, écoutez, la faux. C'est une décision à prendre, vraiment, une décision ferme et définitive. Ça va créer des disputes, et du chagrin. Voilà. Voilà. Et en plus, avant ça, il y avait donc la partie indépendante et la partie argent, et voilà. Donc... peut-être qu'on va, je me mets dedans puisque je suis gémeaux aussi, donc on va peut-être bien être vigilant, regarder autour de nous, vraiment, parce que comme nous avons, voilà, ce que je dis toujours, c'est que ici, ce sont les outils qu'on nous donne, nous avons ça pour nous en main, on a un avantage, c'est qu'on sait. Donc on peut toujours éviter hein, tout ça, donc on doit être sur, aujourd'hui vraiment, c'est une journée à vraiment être sur nos gardes, parce que ce sont des cartes assez hardes. Donc, soyons sur nos gardes, regardons à gauche, à droite, au-dessus, en dessous, point de vue boulot, point de vue argent, je suis dans le cas comme vous, mes amis gémeaux, donc on va voir un peu ce qui va se passer. Et on va être très vigilants pour ne pas que... pour pouvoir éventuellement parer le coup et pour pouvoir éventuellement essayer que ça n'arrive pas. Bon, à nous de voir et vraiment d'être vigilants sur tout ce qui va se passer. Point de vue téléphone, point de vue courrier, point de vue mail, SMS. Bon voilà, essayons de ne pas répondre d'une certaine manière pour ne pas non plus peut-être influencer la colère de quelqu'un, je ne sais pas. On verra. On va voir ce que la journée nous dit. Voilà mes amis gémeaux. Bonne journée quand même.